Hello les amis, bienvenue sur votre chaîne d'actualité jeux vidéo préférés en cette belle période hivernale. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo preview un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement puisque vous l'aurez compris, on va parler non pas d'un jeu mais d'une manette, la nouvelle manette dédiée à la PS5, la DualSense Edge, une manette pro qui arrive le 26 janvier prochain et que j'ai pu découvrir euh, il y a quelques jours. J'ai donc pas mal de choses euh, à vous expliquer, euh, à vous raconter, à vous montrer euh, dans ce dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une manette pro. Donc, forcément, si vous êtes un peu habitué à ce genre de produit, vous savez que ce sont des manettes euh, qui coûtent plus cher que des manettes classiques. En général, c'est assez onéreux, notamment si vous regardez, par exemple, du côté de chez Scuf. Je vous ai pas mal parlé de Scuf euh, sur la chaîne. J'avais testé, euh, voilà, des manettes. Vous pouvez retrouver les vidéos euh, si ça vous intéresse. Bon, ben, si vous regardez de ce côté-là, c'est à peu près, voilà, le même, euh, le même type de prix euh, dans ces eaux-là, hein, dans les euh, 250 euros. Donc, oui, c'est très cher. Après, ça dépend de ce que vous avez envie de euh, d'avoir comme produit, comme outil pour jouer aux jeux vidéo. Forcément, si vous jouez beaucoup à des jeux compétitifs, si vous êtes un joueur pro, voilà, bon, bah, vous savez que c'est une manette euh, qui est euh, limite indispensable. Après, bon, bah, si vous avez une consommation du jeu vidéo euh, qui voilà, qui est euh, plutôt euh, occasionnelle, j'ai envie de dire que euh, la DualSense suffit largement. Mais c'est vrai que moi, j'adore ce genre de manette. Il euh, y a une période où je jouais beaucoup, beaucoup à, à Call of Duty. Et où justement je me servais d'une scuff pour jouer. Euh, c'est vrai que j'adore la DualSense Donc du coup d'avoir un petit peu justement le meilleur des deux, le mariage des deux, euh, moi c'est quelque chose qui me, hypait, euh, qui me hypait vraiment quand la manette a été présentée. Je me suis dit tout de suite je la veux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette preview. Hein, j'ai pu euh, l'essayer sur différents jeux, notamment du God of War bien évidemment, ou encore du Grand Turismo. Euh, je l'ai essayé également sur du Call of Duty. Et franchement les sensations sont bonnes, ça fonctionne très très bien. Et la manette est très agréable à prendre en main. Alors premier constat c'est que c'est une manette qui pèse un tout petit peu plus lourd que la DualSense qui fait déjà à son poids ça il faut le savoir forcément après elle pèse pas non plus 3 tonnes hein, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que oui on sent que c'est pas tout à fait la même manette euh, on va pouvoir évidemment en changer et eh bien les pièces selon le jeu auquel on va jouer selon les envies puisqu'on va avoir des joysticks avec des dômes bombés des dômes creusés on va avoir aussi des palettes différentes vous allez le voir selon eh bien, vos goûts, vos préférences ce qui est intéressant avec cette manette déjà c'est que bah, au niveau des poignées vous le voyez, on va avoir des grippes donc au niveau de déjà la sensation, l'expérience euh, utilisateur est très agréable parce qu'on sait, hein, notamment quand on joue à des jeux compétitifs, c'est quand même plus agréable d'avoir une manette qu'on va avoir bien en main même si on commence à avoir un peu les mains moites euh, quand, on se fait, euh, quand on se fait défoncer, idem d'ailleurs hein, sur les gâchettes, on va avoir vous le voyez, hein, ici d'ailleurs c'est très joli dans le détail, tous les petits signes PlayStation qui viennent accompagner bien l'accroche euh, des doigts. Ça aussi, ça se ressent. Elle est très, très agréable, en fait, hein, à prendre en main, euh, très franchement. Mais c'est euh, surtout qu'on va pouvoir créer différents profils. Euh, on va appuyer sur cette petite touche qu'on a juste ici. On l'a des deux côtés. Et on va pouvoir, en fait, accéder, et eh bien, tout simplement, aux configurations euh, qui correspondent, en fait, au jeu auquel on va jouer, tout simplement. On va pouvoir les sauvegarder, vous le voyez ici, sur notre profil de joueur et on pourra basculer eh d'un profil à un autre en appuyant eh bien, sur la touche hein, qu'on lui a assignée euh, en quelques secondes sans même quitter le jeu et ça c'est très très cool après ça dépend du jeu auquel vous êtes en train de, de jouer mais, euh, mais je pense qu'à partir du moment où tu t'es créé un profil pour euh, tel ou tel jeu par exemple j'ai mon profil God of War j'ai mon profil Call of Duty ça va très bien fonctionner et c'est vrai qu'en plus ce qui est intéressant c'est que si vous partez jouer chez un pote si vous partez sur une compète hein, si vous faites des compètes si vous faites des LAN je ne sais pas et euh, eh bien vous avez votre profil dans votre manette, vous l'embarquez partout. Vous n'avez pas besoin de reconfigurer selon où vous allez, tout est dans votre manette. Ça ne bouge pas. Vos profils sont enregistrés. Et puis, ça va, ça va très très loin en termes de personnalisation. Hein, vous le voyez, puisque vous allez pouvoir régler euh, vraiment dans le détail, que ce soit au niveau des joysticks, que ce soit au niveau des gâchettes, euh, la sensibilité, les zones mortes aussi, pour avoir une meilleure réactivité. Bien évidemment, ça, ça va dépendre de votre manière de jouer, mais aussi euh, du jeu, euh, l'intensité des évidemment vraiment tout est personnalisable euh, dans le détail j'ai trouvé ça super intéressant je pense qu'on peut y passer vraiment euh, des heures euh, vous le voyez c'est très bien fichu euh, donc au-delà de ça vous pouvez vraiment vous faire des profils très 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 précis et comme je le disais et eh bien basculer très très euh, rapidement de l'un à l'autre en fait selon le jeu auquel vous, euh, vous allez jouer. Vous le voyez ici, vous avez un petit, euh, des petits boutons de réglage en fait derrière chaque euh, gâchette euh, pour pouvoir ajuster en fait tout simplement et eh bien la distance en fait des euh, voilà des, des gâchettes, que ce soit très très fort, très léger. Ça aussi, ça va dépendre du jeu euh, auquel vous jouez et puis surtout de ce que vous, vous avez envie d'avoir sur votre manette. Par exemple, moi j'aime bien quand il n'y a pas trop 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 de distance. Euh, donc à vous de voir comment vous aimez jouer. Mais moi tous ces petits détails. Je trouve que c'est vraiment génial parce que, une fois de plus, au-delà euh, du menu des profils qu'on va pouvoir gérer sur la manette, on va vraiment pouvoir tout gérer au niveau des gâchettes, au niveau des joysticks aussi. Puisque vous le voyez, on peut les changer très très facilement et on va pouvoir décider bah, si on veut un joystick un petit peu plus haut, par exemple, si on les préfère dommer, si on les préfère creux. Ça, c'est quelque chose d'assez classique pour ceux qui connaissent bien les manettes pro encore une fois notamment euh, les scuffs ça fonctionne très très bien, ça se met très facilement faut pas avoir peur de tirer dessus et de replacer ça fonctionne super bien, puis vous le savez si vous jouez beaucoup ça peut très très vite s'user, donc c'est pratique d'en avoir plusieurs à disposition, et encore une fois de pouvoir euh, s'adapter euh, au type de jeu moi j'ai trouvé que ça fonctionnait euh, pas mal, moi j'aime bien par exemple les euh, joysticks euh, domés, euh, voilà donc à vous de voir si vous préférez euh, creux, en tout cas euh, chacun des joysticks que j'ai pu essayer bah, ça fonctionne bien, ça réagit bien et au niveau euh, voilà, de l'ajustement sur la distance des gâchettes, là aussi, par exemple sur God of War, euh, j'ai euh, voilà, bien senti la différence. J'ai pas fait les mêmes réglages sur, par exemple, du Grand Turismo. Moi, je ne suis pas la plus grande joueuse de Grand Turismo, mais c'était très agréable de jouer euh, avec, euh, avec cette manette Edge. J'ai trouvé que chacun des joysticks euh, voilà, permettait d'avoir vraiment une, voilà, une bonne adhérence. On sent que ça fonctionne bien, c'est stable. Euh, le fait de pouvoir gérer aussi euh, les vibrations euh, si ça vous dérange particulièrement hein, quand vous jouez euh, voilà, à des jeux euh, hyper péchus que ce soit du God of War ou du Call of Duty. Là aussi, ça fonctionne bien. Euh, c'est vrai que PlayStation arrive tardivement sur cette proposition, en fait, sur ce type de manette. Euh, et franchement, je trouve que ça fonctionne très bien. Il propose quelque chose d'assez complet. Moi, j'adore la DualSense. Donc là, c'est ce que je disais en début de vidéo. J'ai vraiment le meilleur des demandes. J'ai ma DualSense et j'ai ma manette pro. Et j'arrive euh, à la partie, euh, je dirais, euh, la plus importante, en tout cas à mon sens. Bah, c'est ces petites palettes qu'on va pouvoir, euh, vous le voyez hein, sur ces images, euh, intégrées euh, à la manette. Et ça va se faire... Très Très facilement hein, puisque vous le voyez c'est aimanté donc on les met on les enlève et vous avez deux types euh, de palettes en fait que vous allez pouvoir intégrer à la manette et là aussi bien sûr hein, vous pouvez euh, les configurer pour et euh, eh bien y assigner et eh bien votre combinaison de touches euh, selon le jeu l'expérience de jeu en tout cas que vous souhaitez euh, avoir selon le jeu auquel vous allez jouer selon vos préférences et vos habitudes donc ça aussi euh, c'est très très cool parce que même pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de jouer avec ce genre de, de manette qui va se dire de toute façon je saurais pas le faire, je saurais pas comment mettre les palettes, je sais pas comment c'est très très simple en fait d'accès finalement, euh, vous avez votre manette euh, pro, euh, voilà, euh, vraiment euh, euh, hyper accessible et euh, très facilement euh, configurable, et d'ailleurs je suis allée encore plus loin, euh, voilà parce que moi j'aime bien hein, ce genre de manette, j'adore ce genre d'objet vous savez que je suis très collectionnaise donc vous allez pouvoir changer votre module si vous avez envie, euh, voilà, euh, pour une raison x ou y de le changer, peut-être parce que voilà ça, ça marchera moins bien, ou parce que c'est cassé, ou que sais-je, ben, c'est très 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 facile en fait de pouvoir changer votre module vous le voyez vous avez cette touche euh, qui va vous permettre à l'arrière tout simplement et eh bien de débloquer euh, l'avant de la manette vous avez euh, ici une petite manette et hop, regardez, ça s'enlève très très facilement. Vous voyez le petit module, vous voyez comment c'est fait. D'ailleurs, c'est marrant. C'est toujours euh, assez intéressant. Euh, et vous allez pouvoir le remplacer. Voilà, vous avez le clic. Vous remettez euh, évidemment euh, la, partie, euh, la partie avant de votre manette. Et euh, ça, euh, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, euh, j'ai hâte de voir euh, en, le nombre de couleurs en fait qui va être proposé. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul coloris. Voilà, c'est la classique, c'est la blanche. Ça s'enlève très facilement. Donc je pense que, euh, en fait, j'espère que très rapidement ils vont nous proposer peut-être d'autres coloris pour pouvoir personnaliser justement à fond euh, les manettes comme ça peut être le cas par exemple chez Scuf moi je trouve que c'est cool d'avoir vraiment des manettes qui euh, voilà qui euh, qui nous ressemblent qu'on peut personnaliser ce sont quand même des outils qu'on a tous les jours en tant que joueur hein, en main même si on n'est pas des joueurs pro moi j'aime bien personnaliser c'est pour ça aussi que j'adore ce genre de manettes où on peut changer les euh, voilà les, euh, les joysticks où on peut mettre des palettes différents types de palettes où on va pouvoir changer les euh, voilà justement bah, les modules etc etc et il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant c'est que moi euh, quand je joue notamment à des jeux compétitifs euh, je peux m'énerver très facilement, vous le savez, je pense que vous aussi. Et parfois on aime bien être euh, effectivement on aime bien être câblé pour jouer pour avoir euh, voilà encore plus de réactivité euh, forcément euh, et parfois bon ben ça part ça part en vrille et hop la manette se débranche et ben là regardez vous avez un petit câble qui va vous permettre de bloquer euh, tout simplement votre manette en fait vous n'avez qu'à euh, voilà mettre le câble un câble USB tressé je précise qui va permettre d'être verrouillé en fait donc du coup euh, j'ai essayé ça fonctionne très bien pareil hein, vous mettez votre câble voilà dans le petit euh, dans le petit boîtier en fait et ça se se loque, euh, voilà, ça se, ça se branche à la manette et ça se loque très facilement. Donc ça aussi, euh, j'ai aimé le petit, le petit outil pratique pour les gens qui s'énervent très très facilement euh, parce qu'ils ont pensé aux joueurs pro euh, tout simplement. Donc voilà, que ce soit au niveau des accessoires, que ce soit au niveau des sensations, euh, au niveau des réglages, au niveau de, du côté pratique en fait de pouvoir voilà, se faire des profils, passer très facilement d'un à l'autre, l'embarquer partout avec tous les profils enregistrés dans sa manette, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Évidemment, voilà, ce qui est le plus important, ce sont les sensations. Et honnêtement, par rapport à une SCUF, par exemple, je trouve que ça fait totalement le job. Euh, C'est une manette, voilà, qui, euh, qui euh, on va dire, qui, euh, qui, fait, le, qui fait le café. J'avais un petit peu peur que ce soit euh, gadget et que PlayStation n'arrive pas forcément, euh, voilà, à proposer quelque chose d'aussi quali euh, que, voilà, les marques concurrentes. Encore une fois, ils arrivent un peu tard sur cette proposition, mais ils offrent quelque chose de complet et qui fonctionne bien. Donc, les sensations sont là. Encore une fois, vous pouvez vraiment gérer... Euh, c'est ça c'est ça que j'aime le petit, les petits détails gérés euh, vraiment mais au, au, au détails très précisément selon le jeu auquel vous allez, euh, vous allez jouer. Encore une fois, j'ai pas fait les mêmes euh, voilà, j'ai pas fait les mêmes réglages sur euh, GT euh, que sur euh, God of War ou encore Call of Duty. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire, très agréable à avoir en main, je vous dis un petit peu plus lourde mais c'est pas non plus un truc de fou, elle pèse pas euh, 120 kg, mais on sent quand même qu'elle est un petit peu plus euh, voilà, un petit peu plus euh, présente entre les mains euh, pendant les parties euh, mais elle est euh, voilà, elle est vraiment euh, classe je la trouve euh, je la trouve vraiment jolie d'ailleurs je vous ai fait le petit comparatif hein, vous voyez avec la dual pour pour que vous puissiez voir, hein, voilà, elle se ressemble évidemment beaucoup à plein de petits euh, détails près. Euh, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est le genre de, de manette Est-ce que c'est le genre de, on va dire, de, euh, qui vous intéresse Est-ce que vous vous en servez Peut-être même que vous faites euh, voilà, de la compète ou que vous jouez beaucoup à des jeux compétitifs, mais qu'en vérité, bon, ça ne vous attire pas euh, pour autant. Euh, c'est vrai que c'est cher encore une fois. Hein, euh, donc euh, voilà, c'est aussi un achat euh, qu'il faut réfléchir. Euh, bien évidemment. En tout cas, euh, voilà, là c'était une preview. Dès que possible, évidemment, je vais recevoir hein, la manette à la maison. Je vous ferai un test complet, puis je vous la présenterai euh, euh, en bonne et due forme, hein, de, de manière un petit peu plus peaufinée, euh, en jouant à tout un tas d'autres jeux. Mais d'ores et déjà, voilà, j'imagine que ça vous permet d'en savoir un petit peu plus et de voir ce qui est proposé sur cette manette. En tout cas, merci d'avoir été avec moi, hein, les amis, pour cette preview. N'hésitez pas voilà, à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, à bien vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne demain. Effectivement, ce sera mercredi oui pour euh, le bilan de l'année euh, dès euh, 21h21h30 hein, sur la chaîne en direct avec plein d'invités. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on a une très très belle année. Donc je compte sur vous pour être là. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très très vite. Ciao